Cette espèce de papillon, l'ermite et la salamandre tachetée ne font peut-être pas partie des espèces protégées dans votre région, mais on y trouve certainement d'autres végétaux et animaux à protéger. Les Alpes abritent environ 30 000 espèces animales et 13 000 espèces végétales qui doivent pouvoir se déplacer librement pour subsister et se reproduire. Ce n'est pas toujours possible, car les interventions humaines dans les Alpes ont toujours un impact direct sur la nature. Suivez-nous dans notre voyage à travers les Alpes et découvrez avec nous ce que les communes peuvent faire pour préserver et favoriser la biodiversité. Votre commune construit une nouvelle route. Les hérissons sont désormais menacés lorsqu'ils se déplacent entre leur cachette diurne et leur terrain de chasse nocturne, si la route sépare ces deux parties de leur habitat. La commune construit un nouveau terrain de jeu. Les oiseaux rares qui y vivent ne peuvent plus nidifier sans être dérangés. Votre éclairage communal éclaire le ciel nocturne. Les chauves-souris sont perturbées pour chasser les insectes et leur population est menacée. Vous faites couper de vieux arbres fruitiers. Où les loirs vont-ils trouver les cavités dont ils ont besoin pour faire leur nid? Ces exemples ne sont que quelques-uns des multiples facteurs qui contribuent à interrompre la connectivité des habitats dans les Alpes. Les habitats de la faune sont morcelés, la biodiversité s'érode et certaines espèces peuvent même disparaître. Il est donc aujourd'hui urgent de penser et d'agir pour la nature. Les communes peuvent agir de multiples façons pour préserver la biodiversité dans les Alpes. Les exemples suivants montrent quelques voies possibles. En mettant en place un schéma d'aménagement du territoire durable, global, et en concertation avec tous les acteurs concernés, vous assurez à long terme une place à la nature dans votre commune. Pourquoi je m'intéresse et la commune s'intéresse à la nature? Pour plusieurs raisons. Il y a la faune et la flore, donc sont les bases de la vie. Il nous a paru intéressant effectivement de se pencher sur tout ce qui avait tout inscrire dans le nouveau PLU, tout le réseau écologique de faune et de corridors en commune. Alors pour ce faire, des études ont été confiées à des bureaux d'études un peu spécialisés, l'appui de différentes structures. Le conseil général, c'est c'est le réseau écologique du département de l'Isère, donc qui nous a aidés à monter ce PLU. Il y a eu différentes zones, sur le PLU, différentes zones effectivement qui ont été inscrites en couloir écologique. Et ensuite, ce qui était aussi une chose importante, c'était la suppression d'à peu près plus d'une centaine d'hectares de terrains qui étaient constructibles, qui ont été rendus inconstructibles, donc qui sont passés soit en zone agricole, soit en zone naturelle. Donc c'était important, c'était effectivement pour éviter, on disait tout à l'heure, le mitage, et pour qu'on ait des habitations un peu de partout. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de discussions, et notre PLU, je crois, il a duré 4 ans, je crois, pour le faire. Et puis, s'il y a des choses importantes aussi qu'on a fait, tous les pesticides aussi, c'est une chose qu'on a, tous les pesticides qu'on employait donc, pour l'entretien de nos voiries, de nos parcs ou de nos jardins, ont été bannis. Donc maintenant, nous n'employons plus de pesticides, nous utilisons d'autres moyens, alors c'est soit thermique, enfin les moyens thermiques, ou à la main, hein, carrément. Peut relier des paysages. Mais cela ne fonctionne que si les solutions dépassent les frontières des communes et des pays.
J'ai grandi sur les rives de la rivière Rhône. Elle tient donc une place importante dans ma vie. Comme tous les enfants, nous avons joué pendant des heures au bord de la rivière. Une région de montagne intacte a besoin de la beauté d'un cours d'eau naturel. Il y a quelques années, la population du Val Mustère a décidé de ne pas utiliser le Rhône pour la production d'électricité. Cette décision a bien sûr influencé l'évolution du fleuve. Nous avons reçu d'importants soutiens financiers qui nous ont permis de revitaliser la rivière et donc d'augmenter l'attrait de la région. Après avoir été canalisé pendant des années, le Rhône a retrouvé son tracé naturel et peut désormais s'épanouir en toute liberté. Cela a eu un impact positif sur la diversité de la faune et de la flore. La situation de la rivière Rhône et les investissements financiers ont sans aucun doute joué un rôle majeur dans l'attribution des labels réserve de biosphère de l'UNESCO et parc naturel régional d'importance nationale. Ils ont certainement contribué à ce que nous recevions ces labels. Les eaux de la rivière ne s'arrêtent pas aux frontières. Nous devons donc chercher des solutions raisonnées au-delà des frontières nationales. Pour cela, il est primordial que nous restions en contact permanent avec nos collègues du Val Venosta en Italie et que nous soyons invités à des manifestations communes pour pouvoir exprimer notre opinion. La rivière Rhône prend sa source en Suisse et coule en Italie. Au cours de son périple, elle rencontre des législations différentes, des langues différentes, mais aussi des visions différentes. D'un côté, la rivière est une ressource naturelle essentielle. De l'autre, elle doit soudain fournir de l'énergie hydraulique. La nature ne s'intéresse pas aux différences entre les communes et les États. Pour la survie de la faune et de la flore, il est primordial que les collectivités trouvent ensemble des solutions pour préserver la nature au-delà de leurs limites géographiques. Le Rhône est une rivière magnifique et c'est le dernier cours d'eau encore naturel du Tirol du Sud. Aujourd'hui, l'administration communale veut utiliser les eaux de la rivière pour la production d'électricité. Une initiative s'est formée dans la vallée sous le nom de Pro Rambach avec des citoyens engagés qui disent « Surtout pas, le Rhône doit être protégé et utilisé d'une autre manière ». Le lit de la rivière abrite des espèces devenues rares, qui doivent être protégées, comme le tamari d'Allemagne, par exemple, qui est une espèce de plante à fleurs. Je suis persuadée qu'une telle richesse doit être préservée pour les générations futures. Nous avons déjà suffisamment exploité la ressource énergétique. Le Rhône peut être utilisé d'autres façons. Mon rêve serait de faire de ces rives un espace de récréation qui profiterait à toute la région du Val Venosta. Personnellement, je souhaiterais aussi qu'on installe une aire de repos pour les cyclistes et les randonneurs. Cela permettrait de créer des emplois pour les jeunes familles de Taufers. On parle beaucoup de durabilité. Pour moi, c'est dans de tels projets qu'elles s'expriment, parce qu'ils permettent de créer des emplois à long terme. Ce projet pourrait être réalisé dans le cadre d'un schéma global d'aménagement pour le Haut Val Venosta, développé en concertation avec la population. Ce ne serait pas seulement un plus pour Taufers, mais aussi pour toute la région du Haut Val Venosta. Les communes ne sont pas en mesure de tout faire elles-mêmes. De nombreuses personnes sont prêtes à les aider et à s'impliquer pour améliorer la connectivité des habitats. Personnellement, je m'engage pour la nature à Ramosh parce que c'est là que j'ai grandi et aussi parce que je constate les destructions que subit la nature quand on n'y prend pas garde. Nous avons encore à Ramosh un paysage qui doit être impérativement préservé. Ce n'est pas uniquement mon opinion personnelle, c'est aussi celle de la municipalité. Et nous savons que la population est derrière nous. Les prairies sèches sont un élément important de notre paysage. Ce ne sont pas uniquement des prairies sèches, mais aussi un habitat pour des papillons rares ou des insectes. Et les oiseaux viennent aussi s'y installer parce que c'est un milieu naturel. Un zuhause, weil es natürlich ist.
Notre objectif est de préserver le paysage et de le valoriser au maximum, ce qui demande beaucoup de travail. Depuis quelques années, nous organisons donc des chantiers nature dans le cadre de la fondation Proterra Engiadina. Ces chantiers attirent essentiellement des grandes entreprises ou des groupes d'écoliers qui restent sur place une à deux semaines et qui nous aident à déboiser et ouvrir le paysage. Ces jeunes viennent tous d'une grande ville et la plupart ne sont pas vraiment en contact avec la nature, sauf quand ils font de la randonnée, du snowboard ou du ski. C'était très important pour nous qu'ils découvrent le milieu de la forêt et du paysage rural. Nous voulions aussi faire en sorte que les jeunes ne se contentent pas de traverser ces paysages, mais qu'ils y travaillent, qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils apprennent à connaître les différentes essences d'arbres, les terrains en pente, les plantations. Ce travail difficile et très physique transforme les jeunes. Ce sont de grands adolescents qui ont besoin de bouger. Dans notre centre d'études Le Valz, nous leur proposons de se dépenser non seulement en faisant du sport, mais aussi en travaillant. Lorsqu'ils coupent un arbre de cette taille, eh bien, après une semaine, ils ont déjà des muscles et ils en sont très, très fiers. Ils changent physiquement, mais ils deviennent aussi plus attentifs et apprennent à percevoir différemment la forêt. À travers ces trois exemples, vous avez découvert ce que font certaines communes pour améliorer la connectivité des habitats. Ces exemples montrent qu'il est nécessaire d'agir avec cohérence, mais aussi avec clairvoyance. En mettant en place un schéma d'aménagement du territoire et en y intégrant les enjeux environnementaux, vous assurez que la nature aura toujours une place dans votre commune. En vous concertant avec les communes voisines, vous œuvrez pour la nature au-delà des limites de votre commune. En protégeant la nature, vous préservez une ressource capitale pour la population de votre commune et pour les personnes qui viennent la visiter. Il existe d'autres possibilités d'agir pour les collectivités territoriales, par exemple construire des tunnels à amphibiens, ou créer des zones humides, ou encore planter des haies vives et semer des plantes autochtones dans les espaces verts, au bord des routes et des chemins. À première vue, ce ne sont que des détails. Mais mises bout à bout, toutes ces petites actions ont un impact majeur sur la qualité de vie dans les Alpes et sur les habitats des plantes et des animaux. Ces habitats jouent un rôle central pour notre qualité de vie à tous, nous qui vivons et passons nos loisirs dans les Alpes. La CIPRA et ses partenaires s'engagent pour que de nombreuses espèces animales et végétales gardent une place dans nos lieux de vie. Cette diversité est nécessaire pour le fonctionnement de nos écosystèmes. Nous voulons que nos petits-enfants puissent vivre dans une nature diverse et préservée. Cet objectif, nous pourrons l'atteindre si vous nous y aidez aussi dans votre commune.